Bienvenue, on est reparti. FF12, Zodiac Age. Donc j'ai fait... Ah, j'ai pas fait trop de changements, j'ai utilisé les peu de PP qu'on avait. Et j'ai changé... J'ai récupéré les magies en fait. Maintenant on a Glace 3. Donc du coup maintenant on va spammer du Glace 3. Car c'est la magie la plus puissante qu'on ait pour le moment. Donc voilà. Tout simplement. De toute façon on avait pas beaucoup de PP. Et les choses commencent à demander énormément de PP maintenant, de toute façon. Donc, pas faire grand chose. Les plateaux de Cérobi. Pourquoi on contrôlait. Bonjour, toi. Oh, t'es vulnérable à la glace en plus. Wow. Oh oui! Il a la lance de glace. Oh mon dieu, il fait 2500 quand il tape. Il fait 2500 quand il tape. Donc ouais, ça va faire mal. Par contre, là, on est... Oui, voilà. Ok, ça va. On était bloqué dans un... Dans une loupe de ce... De ce buffet, là. Voilà, très bien. 8000 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Eh, c'est pas mal ici pour combattre, en fait. Peut-être. Vulnérable à l'eau. Ah, 5000 le glace 3. C'est pas mal, c'est vraiment bien. 9000. Voilà. Ouais, je pense que c'est un bon endroit pour monter un peu de niveau. Si vous avez besoin. Après, c'est pas vraiment pour faire des chaînes, parce que... Enfin, à moins que vous évitiez les trucs, mais bon. Au moins, il donne beaucoup d'expérience, quoi. Oh, un dragon. C'est quoi, ça? C'est un dragon blindé. Il n'y a pas de vulnérabilité. Ah, mais les machins, ils sont 40 et quelques, hein. Ah, il pleut. Ouais, on a un élémentaire qui est pas loin. On pourrait le tuer avant de se faire aggro par l'élémentaire et tous mourir. Merci. On peut voir un peu, c'est quoi ça? C'est de l'eau? Ben, normalement, oui. Esprit d'ondine, ouais, c'est ça. Ah, c'est joli, hein. Non. Oh mon dieu. Est-ce qu'on va tous mourir du coup? Oui, on va tous mourir. Peut-être que si on tue le... Ok. Putain, elle a pas d'MP, c'est la merde. Raté. Ça ne doit pas être pur, j'en fais de 40. Alors, faut voir. Putain, c'est là. Donc, feu 3. Un peu. Ah putain, t'es sérieux? Ok. Ah, faut refaire.
Baltier, il branle rien, qu'est-ce qui se passe? Genre... Mes proches visibles attaquent. Non, est-ce que ça fait quelque chose au moins les... Ça fait strictement rien. Non mais c'est bon, non, au revoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, il nous faut au moins deux magiciens, parce que là, sinon, on va se tomber. On va rebuffer tout le monde. Ouais, c'est un peu le type d'ennemi où il faut être... plus ou moins concentré. Non, pas concentré, je veux dire ce qu'elle fait concentrer. Équipé pour genre avoir des mages et tout ça. Y'a pas un coffre. Non. Ah mais casse-toi le... l'esprit. Même poison. Ah non mais sans déconner. C'est bon. Ah c'est vraiment chiant hein, quand il y a un endroit comme ça qui est touché en fait par le climat. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Voilà. Ok. Ah, parce que oui, on ne peut pas soigner parce que l'autre elle a plus de magie. Elle a plus d'MP. Ah ça y va les super potions. Tu prends combien avec le poison? C'était le 3700 là, c'était le poison ou pas? Ah, faut que je regarde pour les coffres. Là. C'est un peu la merde cet endroit là. Oh, putain, il est là. Par contre il y a des trucs à faire ici, je crois que c'est plus tard, il faut parler à quelqu'un. Ah. Bah c'est toi. Alors, c'est vous, notre compagnie travaille sur les moulins maintenant, je suis responsable du moulin 2. Ok. Et je crois qu'il faut parler à quelqu'un, il faut leur dire de faire quelque chose, genre activer les moulins ou un truc comme ça. Mais faut parler au chef en fait. Non, on va voir après. Ah, une tortue géante, un Ada. Adamankelon. Ok, on va l'attaquer. Pas mal d'avoir un katana qui fait poison quand même. Parade. 2100. Ah ça fait un bon pourcentage de dégâts. Hein. Ah maintenant il pleut ici aussi. J'ai envie de changer H pour Penelo parce que les MP là c'est la merde. Elle est où l'autre? Elle est toujours en train de se remettre DLP. Très bien. Carapace.
Je pense que c'est des objets chers. Les carapaces. Ouais. Hop là, carapace séculaire. Ouais, il y a des chances que ça soit des objets genre à 3000 ou un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Putain, il a été tué. Ah, c'est pas la meilleure équipe, hein. J'avoue que là, c'est pas la meilleure équipe. Ah! Le parfait! Tiens, on va changer ça. Par contre, on va mettre Gambit. Hop. Fran. Nickel. Ah, on devrait peut-être activer la capture sur Fran. Peut-être. J'essaye d'avancer un peu pour parler aux gens, comme j'ai dit, là il y a un Moogle ou un truc comme ça, avec lequel il faut parler, et il faut lui dire... faut après revenir sur nos pas. Ah mais il n'y a aucun des deux qui peut le toucher, ouais, c'est chiant ça. Non, ça va. Faut après parler au Moogle en fait. Ah ça c'est la merde, y'a Van et Fran peuvent rien toucher. Tu sais quoi, on va faire ça. Tu sais quoi, on va faire hop. Lui bâche il peut. Il peut toucher les trucs qui volent, je crois, par défaut. On va voir. Normalement, oui. Hein. Oui, oui. Le bâton, je sais pas pourquoi, mais le bâton touche. C'est-à-dire que le bâton, il est grand, il est long. Voilà. Donc, le bâton touche. Ah, elle aussi, elle a déjà plus de magie, plus d'MP. Putain. En fait, c'est quand on commence à tuer des ennemis qui prennent plusieurs fois la magie, alors que quand on en a plusieurs, là, genre par exemple, bon là, elle a touché qu'une cible, mais si elle peut toucher plusieurs cibles, elle va récupérer plus que ce qu'elle consomme, et c'est là que bah, ça se passe très bien en fait pour les MP. Mais sinon, si c'est des vouivres là, c'est un peu la merde. Elle perd beaucoup d'MP à chaque fois. Ok, nickel. Continue. Qu'est-ce que... Globe de rouille, je sais même pas à quoi ça sert. Je crois que c'est juste pour faire des dégâts, des petits dégâts. Non, pas là, là. Pas trop de dégâts, je crois, Van.
pour le moment. Si. Celui il tape à 1500. Avec le bâton, mais Van, j'ai pas l'impression qu'il fait très bien. Non, ça va, c'est pareil. Il va peut-être faire lenteur, ça qui est bien. C'est marrant, c'est quand il tape, on voit l'effet en fait. Genre, on voit le. Ouais, on voit l'effet en fait. Ça, c'est l'effet de lenteur, c'est comme si c'était la magie. Je sais pas s'il a de la capture, Van. Je crois qu'on lui a pas mis la capture, lui il a que le volet. Je sais pas si on devrait le mettre ou pas. Oh elle fait combien de dégâts avec sur les machins. Fait de la glace. 7000. J'ai cru voir un 11000, mais je suis pas sûr. Alors, ah oui, alors un truc qu'on voulait tester la dernière fois, c'est ça. C'est le sceptre céleste, là. Alors, fait genre magie blanche, soin. 700. Si on le refait, parce que vu que c'est un peu aléatoire. 775. Ok, c'est fixe. Maintenant, on va mettre ça. Ouais non, c'est plus basé sur la magie en fait, tout simplement. Donc bah, les sceptres servent à rien. Ouais. Ah ouais, non, bon, bah voilà, on a testé. Les sceptres servent vraiment à rien. À part être une arme de défaut, en fait, hein, pour les mages blancs, hein, mais sinon... ça sert strictement à rien. Si vous voulez vraiment faire des gros soins, et bah du coup, faut de la magie. Tout simplement de la magie. Un peu bête. C'est un peu bête parce que j'aurais bien vu que le sceptre soigne mieux en fait, ça aurait été logique et cool. Van, si tu tapais un peu. Okay. Et bon.
39. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on est un tout petit peu plus bas niveau que la zone. Bon, après, on y arrive. Hein. Mais ouais, dès qu'on tape un peu les gros trucs, là, ça met un peu une plombe à tuer. Répétition. Yeah, lenteur. Bien joué. Ah bah, putain. Le bordel. Ça parce que l'autre elle a pas d'MP, hein, sinon elle pouvait, elle peut spammer glace 3 et ça passerait mieux. Hein. Allonge. Ah. Oh. Allonge, ça permet de taper plus loin, enfin de taper les ennemis aériens en fait. Par contre, allonge, ouais c'est là. Par contre, on va trouver allonge. Je sais pas si tout le monde l'a ou pas. C'est bien ça, c'est cool. Allonge. Quoi aveugle. Je sais pas si tout le monde l'a ou pas. Ah, allonge, c'est là. Oh mon dieu. Ouais, d'accord. Eh ben. Pas maintenant qu'on va l'avoir. Hein. Non, il n'y a pas toutes les classes hein, qui l'ont. Hein. Il n'y a pas toutes les classes du coup. Machiniste, ça m'étonnerait qu'il l'ait. Parce que machiniste, c'est des armes qui tirent de loin. Donc, ce serait un peu débile. Ouais, non, Baltière, je crois qu'il est bloqué. Ouais, sans allonge. Toi, j'imagine que. Ah, peut-être Bushi là. Enfin, le samouraï, j'en sais rien. M'étonnerait. Peut-être mille épines coup aveugle. Non. Non. Toi. Ben non, mais toi, t'en as pas besoin parce que le bâton, ça tape. Par contre, le chronomancie fait de la magie, donc ça m'étonnerait aussi. Je vais dans la logique des choses, en fait. Surtout le chronomancie, il peut utiliser les arbalètes, donc bon. Ça m'étonnerait. Au final. Après, j'étais en train de me dire, Bash, il utilise de la magie aussi. Enfin, pour l'instant, il caste pas grand-chose, mais il faudra lui mettre une ligne avec, avec concentration. Je l'ai vu tout à l'heure, concentration. Terme capturé. Il était où, concentration, il est là. Après, mage rouge, peut-être. Enfin, après, les mages, je crois qu'ils ont pas trop d'habilité. Donc ça m'étonnerait. Tourment. Non. Troublé. Tiens, remets le niveau 1. Je l'avais oublié. Vivacité, ça c'est bien. Modération, ça c'est bien ça.
Et mage blanc, ça doit être la même chose. Ça n'a rien à voir. Bon. Bah du coup, il n'y a pas grand monde hein, qui a allonge. Hein. Sûrement les gros mêlés en fait. Enfin les gros mêlés, c'est même pas des gros mêlés, c'est juste... ouais, des trucs qui sont juste mêlés. Genre chevalier. Ravageur sûrement. Ouais. Ravageur sûrement. du coup, qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui. Bash, on va lui mettre le coup d'MP là. Personnage chez MP à moins de 10%. Concentration. Voilà. Bon, c'est bien de l'avoir, mais bon. C'est pas vraiment. Ça va pas vraiment nous aider. Alors, fais voir un peu les niveaux. Ouais, il nous faut l'équipe B. Je suis pas très fan de jouer cette équipe là parce que. Ils sont pas. Enfin, voilà quoi, ils sont pas. Vous avez compris quoi, c'est pas les meilleurs. Donc bon. J'avoue que c'est un peu relou. Ça va, c'est bien. Des serpents et des curls. Ça va bien se passer. Où est-ce qu'on est? Ah oui, du coup on est de retour là, ok. Bah, en théorie on n'a pas besoin de revenir là en fait. Baltier, 0 NP. Je sais pas si je vais faire un épisode de 2 heures par contre cette fois. On verra. Bon. Ok, là. Parfait. Ah là, quand elle fait que tuer, ça marche bien les MP. Hein. Vous avez vu, elle est toujours à 400 plus. Très bien, ok, on y est. C'est l'endroit où on peut faire une petite pause. C'est un peu que comme sur la rive, la, non, la plage, là. C'est très grand ici. Toi. Explorateur Sikh. Il est en rouge. Ok. C'est quoi ces mecs qui se baladent qui sont super haut niveau comparé à nous. Incroyable. Oh merde. Okay.
Maintenant, ce qu'on peut faire avec l'explorateur, si. Oh, le volet. Du travail. Ok. Du coup, je vais où, moi, maintenant? Je suis perdu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis sûr qu'il y avait une sorte de quelque chose à faire avec les moulins. Je suis débile ou quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Guild Vegan. Les bois des charmes est censé y mener. Je suis un peu perdu là. Alors, nous on est là. Le bois des charmes. Ben c'est où? Ah, Guild Vegan, c'est en bas. Le bois des charmes. Jungle. Bois des charmes. Ah, donc tu veux qu'on se téléporte là, en fait. Je pense que c'est pour une chasse, peut-être. Les moulins, là. Peut-être pour une chasse. Bon, attends. On va faire ça, sinon ça va mettre 3 ans. Ah merde. Un peu la merde des fois quand même, hein. Un peu le bordel. Voilà. Oh la vache. Ça fatigue des fois. Alors, le Guild Vegan boit des charmes. Donc on a les gorges ici. On a la jungle de Golmor. Donc. Jungle de Golmor, clairière de la vision. Je suis en train de me dire, on pourrait peut-être faire de la chasse un peu. Qu'est-ce qu'on fait? De la chasse ou pas? On peut la faire plus tard. Le truc, c'est qu'on va être un peu... Ah, j'en sais rien, en fait. On va avancer dans l'histoire. On va avancer dans l'histoire. On va faire ça quand on sera niveau 40 à peu près. Ouais, on va faire de la chasse quand on sera au niveau 40. Alors du coup, il faut passer par où? C'est en bas du coup, c'est ça? Bois des chats. Cool, 3 éthers. Par là-bas. Oui, ceux-là qui faisaient extrêmement mal, là.
les chaos infernaux. Attends, coffre. Très bien. Voilà. Et là, on va pouvoir aller au bois. Mais ouais, quand on sera plutôt dans les niveaux 40, ce sera mieux. Ce sera plus simple. On fera genre une grande pause par rapport à l'histoire. Waouh, carrément. Une grande pause et on ira combattre plusieurs chasses. Enfin, on ira faire plusieurs chasses. Voilà, 39. Je sais pas. Attention, H. Ouais, H. Enfin, c'est dans pas longtemps, hein, le niveau 40. Hein. Mais bon, après, il faut que tout le monde soit 40 aussi. Alors, attends, on va où? Ah, il y a deux endroits. Oh bah putain. Oh, il y a du mist ici. Ça va être un peu compliqué là par contre. Enfin, faut faire attention. Est-ce qu'on peut tomber sur... sur une Aeon, sur une invocation. Je sais même plus comment ils les appellent dans le jeu, les invocations. Les invocations. Carte du bois des charmes, ça c'est cool ça. Après, si les ennemis sont que 40, enfin, quoi que ça veut rien dire, des fois. Il y a des zones où les ennemis sont un peu plus bas que le boss en lui-même. On va voir. Mais ouais, ça voudrait dire qu'il y a une invocation pas loin, en théorie. Très bien. J'ai vu un truc passer. Oui, c'est quoi ça? Élémentaire de lumière. Le 25. Attends, on peut le voler? J'ai de lumière. Ah, il va sûrement le détruire. Ouais, il a 14 000 d'HP, j'avais pas vu. Bon, après, elle, elle fait des ténèbres 2, mais. Putain. Oh, waouh! 1900. Ah ouais, quand même. C'est pas de la merde. 4 pp. Pas mal. On va y arriver. Hein. C'est quoi qui fait immuniser? Ah, c'est sa lance. Je viens de capter... C'est le froid en fait, il est immunisé au froid l'autre. Ça, trident c'est glace, ouais. Attends, je vais changer le trident pour être sûr de pas faire des conneries. Non, ils sont... Allez, lance. Oh.
Bah, quoi que non. Ah non, c'est pas les mêmes. J'en sais rien. Vulnérabilité, lumière. Je sais pas. C'est pas très grave. Ah, ça c'est pas bon signe. Pas bon signe. Là peut-être. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Non. Puissant Mist t'empêche d'aller plus loin. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Oh. Ah. OK. Je sais pas si c'est du secondaire ou du principal, ça, du coup. On va se retrouver contre un putain de truc, je sens. Bon, on a sauvegardé, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Plante géante. PM, moins, d'accord, ok, voler maxi potion. Ou pardon, je vais pas faire pause. Alors on va faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres à voler? Non. Rafflesia. J'aime bien le nom. Donc les... Oh, les MP comme ils descendent! Oh mon dieu, ouais d'accord, je peux rien faire. Non mais, ok, d'accord, j'ai compris. Ça, tu l'oublies. Bon bah on soigne aux potions. Hein. Ah là on pourrait lui mettre... Merde, il n'y a plus l'heure. Oh, c'est pas grave. Attends, c'est quoi ça? Morbol, c'est... Oh, elle a appelé des morbols. Oh, attends, par contre, il faut un gambit. Merde. Du coup, en fait, faudrait enlever H, tout simplement. H, tu veux... Genre... Ouais. Ok, merci. Du coup, on va lui remettre ça. Ok, très bien. On va faire... Pam. Pam. Ouais. Je pourrais mettre Bash, mais Bash, il va plus avoir de MP. Je vais devoir... Ah bon. Ok, merci. On tue les morbols avant ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est l'attaque? Non. Ah, confusion! Mais tapez-vous! Oui, c'est bon, ça, ils se sont tapés entre eux. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait mal. Mais bon.
Ah, nickel. Intéressant comme combat. Faut pas utiliser d'MP, quoi. Enfin, pas de magie. Oh merde, c'est pas fini. Si. Non, si, c'est fini. Bah, vous voyez, dans mes... mon autre sauvegarde avancée, je crois pas que je l'ai faite, celle-là. J'ai dû la zapper, en fait, quand je suis passé ici. J'ai dû complètement la zapper. Cool. Maxi potion. H. Ah non. Ça va où là? Ça doit être une ancienne zone. Oula. 43, menthe démoniaque. Mais où on est? Bois des charmes, clairière. Frontière du passé. C'est toujours le bois des charmes. Ouais, nous, je crois que c'est là qu'on doit aller. Je crois que c'est ici. Non, ça c'est du secondaire. Putain, la gueule que ça, ces trucs. Oh la vache. C'est quel niveau? Chevalier miroir. Intéressant. Ouais, j'étais... Ouais, certain que j'étais pas venu ici. Basilic 42, ça va. Je sais pas s'il y a encore des choses à récupérer. Vous voyez, si vous n'avez pas purge, comme on avait fait là, genre 6 ennemis purge. Non, 6 ennemis à miroir, on fait purge. Là, ça serait la catastrophe en fait. Elle ferait directement genre. Non, ça c'est une autre zone. Ouais. Elle ferait directement glace 3 et on se le reprendrait. C'est bien. Ça nous défoncerait la gueule. Oh, amulette d'or. Cool. C'est rare, ça. Carte. La bougie du bois des charmes. Des zones cachées sur la carte de celui-là. La bougie du bois des charmes. Neige de la clairvoyance, confins de la raison. Oula, on dit rien qui va. Je pense que ça doit être des hauts niveaux. Par contre, du coup... Ah mais attends, Rafflesia c'était juste un boss. Ben... D'accord, Rafflesia c'était juste un boss en fait qui bloquait la zone. Et là, et vu qu'il y a encore le mist, ça veut dire que après il y aura l'invocation à combattre. Ah ben, putain. Je sais pas si on va pouvoir le faire. On va voir. Parce que c'est très très... Oh mon dieu. Lampe démoniaque 44. Ça reste encore notre niveau, mais quand même quoi. Putain, ça me défonce. Thank you.
Elle est sympa cette zone, genre brouillard et tout ça. Le brouillard mist en fait est vraiment très intéressant. Vraiment cool. Avec l'effet là où on voit nos personnages et tout en reflet. Vous voyez, ça reflète les choses autour. Ça, j'ai toujours ça trouvé cool. Je trouve ça vraiment cool. Puis ça bloque la carte aussi, la mini-carte. Et en théorie, ça disparaîtra quand on aura tué le... la saloperie qui vit ici. Je sais pas, moi j'aime bien. Par contre, là, il y a des puzzles à faire. Je fais juste un peu le tour de la carte. Mais là, il y a un puzzle à faire. Mais j'avais pas fait du tout, quoi, ça. Sinon, je m'en serais rappelé. Hein. Ça me disait plus... ça me dit rien du tout, là. C'est cool. Cool de découvrir. Putain, c'est quoi ces trucs? C'est des behemoths. Wouah! Défoncé, quoi. Ils sont faibles contre la glace, j'imagine. Parce que putain, ils ont pris cher. Vous voyez, si on était que avec des mêlées, honnêtement, ça passerait très 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 mal. On mettrait genre 30 secondes à une minute pour tuer un truc. Et ça serait injouable, quoi. Très dangereux, parce qu'on peut, si on passerait notre temps à se soigner et tout. Donc, faut toujours des gros mages qui fassent beaucoup de dégâts dans le jeu, dans FF12. Enfin, la version Zodiac Edge, quoi. Ça rend tout super facile. Peut-être pour ça aussi qu'on avance un peu trop vite. Peut-être pour ça qu'on est un peu plus bas en niveau. Alors, fais voir là-bas de ce côté. Okay. Je vais avancer, je serais juste... Ah. Couronne... On a récupéré des équipements, hein. Oula, ceinture d'Italie, tout, c'est cool, ça. Je vais voir là. Ah, d'accord, ok, c'est pour directement la nouvelle zone, ok. Alors, on fait voir, on pouvait interagir là. Alors, emblème des charmes. Motif étrange, danse sur le sol, examine le motif. Des mots, tu sonnes dans le silence. Ce sanctuaire réserve aux pèlerins... Vérité et illusion. Le voile de l'illusion dévoile le chemin qui mène à la porte vraie. D'accord. Oh, attendez, faut peut-être regarder en fait où aller. Oh, ouais, c'est ça. Putain, mais je m'en rappelle, mais ça, je m'en rappelle pas, genre de mon dernier. Genre la sauvegarde que j'ai faite. Hein. Je me rappelle genre il y a 15 ans. Hein. Je me rappelle de ce truc là. Sanctuaire, ça rappelle. Ouais, ouais. Je peux regarder. Ouais, là. Parce que sinon, les autres montrent rien. C'est super bien fait. C'est un peu à la Zelda en fait. Un peu les énigmes à la Zelda quoi. C'est vraiment cool. En plus, ce qui est bien, c'est que sur la carte, il y a le point d'exclamation pour montrer que si ça s'active ou pas. Y a pas... Et l'autre, il sert à rien. Ah, parce que je crois que si on le franchit directement, on revient au début, je pense. Je pense que c'est ça, si on se loupe. Ah, c'est vraiment cool, cet endroit. Là, ça m'a motivé. J'avais pas envie de faire 2 heures de trucs, mais peut-être le faire. J'avais pas trop la motivation aujourd'hui. 38, 39. On peut passer à la... notre équipe. Ouais, j'avais pas vraiment envie. Mais là, ça m'a motivé. Donc on a le trident, ça on ne touche pas. Ok, donc le Aubert, ça c'est... ouais, permis 9. Très bien. Donc force, magie... Et défense, pas mal. Très bien, très bien, très bien. Du coup, tu peux prendre la couronne, parce qu'on en a une deuxième. Voilà, très bien. Bâton de glace, tu restes avec le bâton. Ça me dégoûte par contre, les cèpes, je trouve ça vraiment très très con.
Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on a eu... On a eu les ceintures de vitalité. Effet permanent de vitalité. Alors ça, l'effet permanent de vitalité, c'est bien. Jusqu'à ce qu'on débloque la magie vitalité. Je sais pas si on peut la débloquer maintenant. Oh, il faut qu'on aille, faut qu'on retourne à Rabanastre. Pour aller acheter les magies vertes. Peut-être qu'on a augmenté maintenant avec notre rang. Et c'est possible qu'on ait la vitalité. Ça va vraiment nous aider. Toi, tu pourrais prendre ça. Ouais, comme ça, t'es toujours double HP. Il y a les bottes ailées qui sont sympathiques. On en a deux, des bottes ailées. Peut-être qu'on va en avoir besoin, tu vois. Voilà, 5600 HP. Très bien. On va faire un tour de la zone d'abord. Pour les coffres et tout ça. Là, on récupère pas mal de bons trucs en fait. Lame gardienne, ça c'est une épée à deux mains, je crois. Ouh! Quoi ce machin? Gil Veganos. Boah. Truc, il est. Confusion. Ah oui, d'accord, quand il tape, il fait confusion, quoi, le machin. D'accord. Ah bon, encore heureux qu'on le tue vite, quoi. Par contre, je vais juste voir. Gambit Van. Je pense qu'on va mettre capturé. Donc, état de danger, capturé. État de danger. Capturé. Je sais pas capturer. Permis. Ça doit être un truc du tout début. Premier soin. C'est où capturer? Bah, ça serait débile qu'il ait pas capturé, lui. Vital, sert à rien. Soin, sert à rien. Don de vie, sert à rien. Escalipur. Quoi veut... Ah, lame gardienne. On pourrait la tester, lame gardienne. Faut voir les dégâts un peu. Merde, mais j'ai pas capturé avec lui. T'es sérieux? Tourment. Merde alors. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. C'est très très bête. On fait un tour vite fait, mais ouais, c'est possible qu'on l'ait pas. Du coup, c'est pas bien ce qu'on fait. Du coup, on devrait pas mettre Van et Bash en même temps. Il faut qu'on ait Baltier ou Fran en fait, dans l'un et dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Faudrait dissocier les équipes. Donc, on peut faire. Est-ce que Van il peut tanker ou pas? Il a quoi? Il a parade 12, c'est un peu de la merde. Oh, la lame gardienne. Ouh, la vache! 90 de dégâts, 37 de parade, pas mal. Pas mal, pas mal. Après, je sais qu'il peut prendre des boucliers, lui. Donc, bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui mettre un bouclier et... C'est la dague, la main gauche. Mais la main gauche, elle commence à être très bas niveau, maintenant. Main gauche. Parade 50. C'est énorme, mais c'est... Du coup, il ferait pas de dégâts, en fait. Donc, c'est un peu de la merde. On pourrait lui mettre la lame de guerrier. La lame gardienne, pardon.
Faut que je réfléchisse pour les équipes. Là. On pourrait faire Penelovan. Attends, bah, je crois qu'il arrête. Ok. Penelovan. Baltier. Je préfère avoir Fran, mais. Enfin, point de vue, on va dire, logique dans leur équipe. Après, ça ferait Fran, Bash et H. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et du coup. Donc, ça, on n'a pas besoin. Hop. Donc, elle, danger. Elle a pas de vol. Lui, il a vol. Du coup, on fait ça. Ah, très bien. Et du coup, pour celui qui tank, bah ça va être Van. Ouais, ça va être Van qui tank. J'ai envie de tester l'épée. J'ai vraiment envie de tester l'épée, chevalier. Il faudrait le mettre en armure lourde, peut-être. Mais bon, c'est beaucoup de permis en fait à prendre. Quoique, attends, 8, on a platine. On va voir si on fait ça. Mais le problème c'est qu'il va perdre des HP je crois. On va voir si... Genre... Aubergeon a meurt de platine. Là, il perd 300 HP. Il gagne en défense et en force. Ouais. Bon, le lenteur, on l'oublie. La gardienne. Et... Désolé, hein. J'aime pas trop rester dans les gambits comme ça, mais... Van, non. Mais on est un peu obligé, là. Van. Et toi, tu vas jouer avec Bash. Donc, Bash... Ouais, Bash, Van ici, et on est bon. C'est vrai que j'ai pas calculé pendant un bon moment où... c'est vrai qu'on n'a pas capturé, en fait, dans une des équipes. Bon, après, lui, il vole extrêmement bien, mais quand même, on n'a pas capturé. Ah mais du coup Van il a volé déjà, donc on... oui on lui a enlevé. Non on est bon comme ça. Alors fais voir un peu les dégâts. Il faudrait voir combien de dégâts il prend en fait. Dieu, 14 000. Ouais, ils sont vulnérables à la glace. Ouais. Oh la vache. Miroir 2. Ah, donc c'est là que ça se trouve, miroir 2. Les dégâts que tu prends. Enfin ouais, mais tout le monde meurt avant de... Ouh, pas mal. Non mais c'est pas mal, on peut changer Van comme ça. Je sais pas si c'est le plus rapide avec avec l'épée à deux mains. Parce que je sais plus si... Je pense l'avoir fait, hein. Je vous ai expliqué que... La rapidité, en fait, elle est basée sur l'animation des personnages. Donc certains personnages, en fait, sont super rapides avec certains types d'armes. Alors que les autres, non. Ça dépend tout simplement de leur animation. Ouais.
puis ouais, parade 37, c'est bien. Ou alors, en fait, on lui met ou une épée à une main. Mais je sais pas si on a une bonne épée à une main. Parce que si on lui remet des dagues, on, du coup, on a des dagues de merde, en fait, depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché, on n'a pas acheté des dagues. Par contre, on a des épées qui sont bonnes, je crois. C'est des sabres. La diamantine. 73. Et après, on pourrait lui mettre un bouclier. Non, mais en fait, non, c'est mieux l'épée à deux mains. Il y a plus de parades. Non, non, c'est mieux comme ça. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a... On a récupéré miroir 2. Donc je crois que c'est le chronomancien qui peut faire miroir 2. Pierre, glas. Tiens, on va lui prendre les magies. Lévitation, furie. Illusion, portail. Miroir 2, lenteur. Ouais. Ouais. Tiens, vivacité. Très bien. Donc, miroir 2. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est... Magie temporelle. 9. Ouais, non, non, 9, c'est trop... C'est trop haut niveau, donc ça doit être que le lui. Oui, oui, non, c'est que lui. Bon, bah, c'est cool. Miroir 2, c'est pas vraiment le truc qu'on va utiliser souvent, mais des fois, ça va nous... Si on veut burst, en fait, un monstre... Vous savez, comme on avait fait avec le mur, par exemple. Faire beaucoup de dégâts en très peu de temps. Bah, ça va nous aider. Après, peut-être, je sais pas, des systèmes de farm où on met miroir sur nos mecs et on... Et on s'envoie des magies et ça se reflète et tout. Et c'est genre de la grosse farm comme ça, j'en sais rien. Mais ouais. Alors, c'est où que ça commence? Ça, c'est vrai que là, ça va être mieux cette équipe. C'est pas là. C'est là. Alors, là-bas. Il y a un coffre ou pas? Là-bas. Ah! Alors, porte du titan. Derrière la porte, vraie Jigil Vegan, la grande. Et la porte vraie, le titan seul commande. Une puissance magique scelle la porte, elle refuse de s'ouvrir. Oh merde. Bon. Bah c'est pas pour maintenant alors, j'imagine. Ouais non, je pense pas que ce soit pour maintenant. T'es bête ? Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire, hein. Je pense tout simplement que ce sera pour plus tard. Ça doit être beaucoup plus haut niveau en fait. Ah, je suis dégoûté. Cela, on allait bien en fait. Ah, on faisait du bon là. Ah, c'est bête. Bon, retour sur la course, normal. Eh, bonne parade, pas mal. Mmh.
Ouais, si on veut le tanker, on lui met un peu une petite armure lourde. Genre une partie sur deux. Genre le torse, par exemple. Avec une épée, une double épée, là. Enfin, une épée à deux mains, pardon. Hop, nickel. Attends, qu'est-ce que tu m'as... J'ai pas eu le temps de lire. Carte d'accès. J'ai du cancer. C'était quoi là? C'était un... Genre c'était écrit, on dirait un truc à rallonge le message. Merde. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce qu'on a récupéré en fait. Peut-être une habilité. Compétence. Ah non, c'était genre une phrase. Ou du pèlerin peut-être. Je sais pas ce qu'on a récupéré. Mince, oupsi. Oupsi, oupsi. Alors, par là-bas. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un tout petit peu déçu. J'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait le monstre. À la vocation, quoi. Ouais, genre là par exemple on attaque les trois et elle fait glace 3 directement, tout le monde meurt. Là on crève tous quoi, ils ont tous miroir. C'est laisse tomber. Quoi ça, Escuriax? Voilà, très bien. On avance. Voilà. C'est les mines. Ouh, c'est les mines mais de l'autre côté. Du coup c'est... Ah, oupsi, attendez. On est... On n'est pas au bon endroit. Pardon. 64. Non, c'est peut-être pas le bon endroit. Mine de haine, les gorges de Paramina. Bah, je crois que c'est aux gorges qu'il faut aller, non? Temple. Putain, je sais pas où il faut aller. C'est bon, t'as fini de buffer? Oui, non, là, c'est les mines de haine. Oui, du mauvais côté, là. Gil Vegan. Mais je suis con, quoi. Faut trouver une issue au sud du bois des charmes. Mais tu vas me dire que ça, on est obligé de le faire, et c'est moi qui ai complètement... qui ai complètement oublié que j'avais fait ça ? Au sud du bois des champs, bah y a pas 36 endroits. Et bah alors là,
Je peux vraiment plus faire confiance à ma mémoire, moi, hein, putain. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Les mines, elles sont au niveau. Après, il y a la porte qui est bloquée. Là, il y avait Rafflesia. J'aime bien ce mot, Rafflesia. Oh mon dieu, du Gerno, c'est quoi ça? C'est mal ce coup. On peut le voler ou pas? On va lui faire purge aussi. Sans déconner, quoi. C'est quoi ce machin? Ennemi proche visible volé. Ennemi proche visible volé. On va faire la même chose. Comme ça, on peut spammer vol en fait. Enfin, c'est... lui, il devrait peut-être pas spammer vol parce que. Il a pas les gants en fait. Ok, on a volé. Je sais pas quoi, mais on a volé. Non, alors, du coup, c'est faible contre quoi ce machin? Ben, il en a de la vie. Voilà. 1712 pp. Ben putain. Grondin. Mistaline. Je m'engueille sans me croître et changer de forme. Il durcit seulement quand il est trempé dans la plus pure des eaux bénites. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Masque blanc. Permis 11. Wow. Plume de faisan. Améliore l'effet des objets de soin. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il a ce jeu? Il est tellement bizarre. Augmente la défense. Donc on a eu un masque blanc. Donc est-ce que... C'est pas mal. Absorption lumière. Ah toi tu peux. Ok. Parfait. Nickel. Honnêtement, j'ai aucun souvenir qu'il y ait des monstres comme ça qui sont plus forts que les autres. Je comprends rien du tout. Honnêtement, je sais pas. J'ai tout plein de souvenirs en fait qui doivent se mélanger et tout, c'est ouf. Purge 2. T'es sérieux? Je l'ai pas vu tout à l'heure.
compétences. Donc, purge 2, ça fait quoi du coup? C'est une AOE à la place, c'est ça? Purge 2, retirer l'interaction de magique des ennemis à portée. Ça, c'est bien ça. Ah, mais elle a Ténèbres 3. Ah, oui, c'est vrai, il y a Ténèbres 3. Oh là là. Aïe aïe aïe. Enfin, je galère hein. Enfin je galère, non mais j'ai l'impression que je vais trop vite, je passe à côté de plein de choses. Alors qui c'est qui a purge 2? C'est de la magie blanche normalement. Tout le monde a purge 2 ou pas? Ah je crois qu'elle a pas purge 2. Elle a que le 1 du coup. Par contre, Pénélo elle devrait l'avoir. Purge 2. Lumière guérison. Confusion fois purge 2. Et toi en mage noir, mage rouge, pardon. On devrait avoir Ténèbres 3. Ok. Donc, toi tu vas nous faire Purge 2. Du coup, hop. Purge 2. Très bien. Toi tu vas nous faire Ténèbres 3, donc c'est 38 MP, Ténèbres 3. Et classe 3 c'est 42 MP. Donc en théorie, Ténèbres 3 devrait être moins puissant. Je sais pas trop. Bah, je préfère la rendre un peu plus spéciale, on va dire, entre parenthèses. Alors, absorbe la classe. Et que elle fasse des ténèbres. Alors que elle fera plus des autres magies. Enfin, de toute façon, honnêtement, c'est vraiment un moment de transit où après on va finir avec fournaise, des trucs complètement pétés en fait. Hein. Donc c'est vraiment juste pour le moment en fait. Bon, on a bien fait de revenir sur nos pas. Après, on aura Fournaise. Ça, c'est une des très grosses magies. On aura quoi d'autre? Il y a une autre magie qui fait extrêmement mal. J'ai l'air con, mais j'ai l'impression d'être bloqué, c'est débile. Peut-être c'est débile. Enfin, moi, ça m'amuse parce que du coup, j'ai l'impression de découvrir le jeu. Mais... sûrement parce que j'ai une mémoire de merde, comme d'habitude. Incroyable. Casque de géant. Oh, cool! On avait besoin. Putain, c'est bien de farmer ici, honnêtement. Ouais. Ouais, j'avais dit que casque de géant, il augmentait les HP. Ça tue... Tiens, tu peux mettre le home de platine maintenant. On perd encore plus d'HP, mais... je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, bah, vu que tu veux tanker, on lui met full armure lourde. Mène à la porte vraie. Et si je... enfin, j'ai déjà élucidé le mystère, donc ça m'étonnerait que ça change quelque chose. Ouais, super bien cette zone, honnêtement, pour farmer. Elle est vraiment bien pour notre niveau. Bon, les ennemis, il y a plusieurs types d'ennemis, donc ça c'est un peu chiant pour faire des trains, des chaînes.
Mais après, pour tout ce qui est objet et tout, c'est vraiment cool. Et les coffres surtout. Là, on a tout l'équipement de notre niveau en fait. Et des trucs assez rares. Et je suis sûr qu'on va pouvoir revendre des choses bien chères. La grande à la porte de la petite en seule commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens que je vais faire une pause et voir où il faut aller parce que je suis perdu honnêtement. J'avoue que là je vois pas. Je pense pas qu'il faut retourner dans les mines, c'est 60. Ah, mais c'est ouf de se perdre comme ça. Il faut trouver une issue au sud du bois des charmes. Ouais. Parce que les mines de haine, non? Et si on avait faux, s'il fallait faire autre chose. Bon, je vais faire une pause, je reviens. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai l'air tellement con. Pourtant, c'est pas un jeu à énigmes ou tout ça où on est perdu. Faut pas passer par les mines de... Les mines, quand même. Les machins, ils sont 60. Puis j'ai aucune mémoire d'arriver là, en plus, aussi. Je me rappelle, genre... d'avant, quoi, mais... Enfin, bref. Ok, petite pause, je reviens. C'est fou, incroyable, c'est fou. Et on est de retour. Et j'ai regardé la Solus, et putain, c'est quelque chose, j'y avais pensé. Quand il y a écrit Titan, il parle de Bélias, et j'y ai pensé, j'aurais dû le faire, quel con. Mais sur le coup, j'ai plus pensé, en fait, c'est qui a Bélias? Je crois que personne a Bélias, en fait. Je me rappelle plus si on l'a débloqué ou pas. Bélial, pardon. Ouais, Bélias, oui, c'est ça. Non, personne là. Donc il faut le mettre à quelqu'un. Oui, donc du coup j'aurais pas pu tester. Mais j'ai pensé que c'était ça. Parce qu'il parle du titan. Et du coup c'est Bélial. Et aussi une chose. En fait, dans mon autre sauvegarde, je crois que j'avais... du coup je m'étais arrêté avant d'aller ici. C'est pour ça que je m'en souviens pas de cette zone. D'aller avant ici... je me suis arrêté ici. Et je suis allé faire du secondaire. Donc il faut absolument qu'on fasse du secondaire la prochaine fois parce que on va pouvoir combattre Gilgamesh, je crois bien. Ouais, je crois bien qu'il y a Gilgamesh qui est débloqué maintenant. Il devrait être dans le dossier du clan, en liste de contrats. Il faut aller le récupérer. Donc ouais. Donc c'est pour ça que ça me dit rien. Donc j'avais raison, je l'ai pas fait en fait la dernière fois. J'étais plus haut niveau, mais c'est parce que je suis allé faire des contrats. Et les contrats nous amènent à d'autres endroits. Et avec des plus hauts niveaux et tout ça, c'est pour ça qu'on était plus haut niveau. Donc ouais, donc il nous faut Bélias. Absolument. Du coup, il faut choisir sur qui on le prend. Bélias, non plus. Donc là, Bélias ne sert à rien sur lui, par exemple. Sur Baltier, ça c'est Mathéus, ça c'est Bélias. Faut voir en fait si ça rejoint quelque chose. Mathéus, il est où Bélias sur cette grille là? Non,
Parce que Bélias, on est obligé de l'avoir, on est obligé de le récupérer. Donc c'est ça, peut-être j'aurais dû y penser, j'aurais dû en parler, comme ça je passais pour un super intello en disant « Ouais, moi je pense que c'est ça et tout, putain, voilà, je l'ai pas dit. » Et maintenant, voilà, vu que je suis allé regarder sur internet, du coup, je peux dire des conneries, on sait jamais. Hein. Genre « Ouais, je le savais, mais en fait non, je dis des conneries, oui. » J'étais sûr que c'était ça, j'étais sûr que c'était Bélias, putain. J'ai regardé Moine. Il est où le Bélias en Moine? Il est là. Je crois que Bélias, en fait, il va rien débloquer à qui que ce soit. On peut le mettre à n'importe qui. Hein. Je suis quasiment sûr qu'on peut le mettre à n'importe qui. Bélias, il est là. Ok, il est là. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun... Vu que c'est un plus, c'est un truc de base. Ouais, non, il débloque rien du tout, Bélias. Il y a juste un truc qui serait ça. C'est genre la science des potions. Niveau 1. Mais du coup, on l'a eu autre part. On l'a eu avec l'autre... l'autre tableau. Attends, il y avait quoi? Toi, t'as quoi? T'as acuité. Ça aussi, c'est truc de base. Non, bah on peut le mettre à n'importe qui, en fait. On peut vraiment le mettre à n'importe qui, peu importe. Bélias. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un truc de feu. On s'en fout, honnêtement. On le met genre à bâche. Bâche acquis, une nouvelle option sous la commande Myst. Le personnage peut maintenant invoquer Léon. Ah, c'est Léon dans ce jeu. Correspondant au permis qu'il vient d'acquérir grâce à la commande Myst. Alors, du coup, on va changer d'équipe. Pam, 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 pam. Ah, donc on peut avoir aussi... la vitalité là, les PV x2. Ouais, on peut avoir plein de trucs en fait à ce moment du jeu. Bon, on va ouvrir la porte, mais après je crois que on va un peu avancer parce que on va finir notre vidéo. Mais après on va faire du secondaire absolument. S'il y a plein de trucs qu'on peut faire maintenant. Vas-y, on lui a mis lévitation. Vas-y, ouvre. Bien joué. Des invocations qui servent à rien, tristement, dans le jeu. Elles ont toujours été ou très bien traitées ou très mal traitées dans les Final Fantasy, les invocations. C'est triste, hein, super triste. C'est jamais consistant. Après, elles ont plus été bien traitées que mal, j'avoue. Mais c'est pas consistant. Gil Vegan, la cité perdue. Ouais, ouais, je me suis arrêté là. Hein. Je me suis complètement arrêté là, en fait. Pas pour l'histoire, en tout cas. Je me suis arrêté là, 100%. Je l'ai pas fait, cet endroit. C'est pour ça que ça me disait rien, là, les portails et tout ça. On the farther shores of the River of Time, shrouded deep in the roiling mist. What is it, Fran? The mist runs thick here. Like on the Leviathan? Do not worry. I will behave myself. The mist here is cooled. I sense something like the shadow here. Fenar. It appears Cid has yet to arrive. We'll lie in wait for him here. So we're not going inside? Not unless you want to end up twisted. Like the old man.
Something there. What is it? She can see him. Let's follow her. Ah mais du coup, j'ai plus vraiment de souvenirs sur ce qui se passe après. Par contre, j'aurais bien voulu un cristal pour se téléporter. Ça... Ah ben voilà, parfait. Ah, j'avais dans l'espoir qu'il y en ait un. Parce que vu que c'est une nouvelle zone d'histoire, on va voir ce qu'il y a là. Ouais, on va s'arrêter là. Enfin, s'arrêter là. Pas pour la vidéo, parce que j'ai dit que je ferais 2 heures. Mais vous voyez, genre là, on est 40. Et là-bas, on était... Enfin, quoi qu'on n'est pas très différent, 46. Ouais, on est dans les 50. Et du coup, j'ai fait plein de secondaires après. Bon, après, c'est vrai que je suis allé plus vite aussi, hein, dans la deuxième version. Enfin, quand je l'ai refait. Ok. Alors, du coup, on va arrêter de faire de l'histoire principale. Et on va se téléporter. Parce qu'on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire. On a plein de... comment ça s'appelle? De chasse. On a aussi... Attends, c'est toi qui téléportes. On a Gilgamesh en chasse. On a l'endroit que Gilgamesh va nous amener aussi. On va avoir une des dernières magies. C'est pour ça que j'avais jamais eu Purge 2 et tout, et Miroir 2 aussi. Maintenant, je comprends. Alors, avant de faire ça, faut pas que j'oublie. C'est pas la mer des sables que je voulais aller voir. C'est là-bas. Ah, mais je suis content, du coup. Maintenant, je suis pas aussi fou que ça. Je pensais que j'avais perdu la tête, mais... En fait, non. Pas exactement. Ok, ça doit être là. Alors, on va acheter... Gantelet. Non, ah, c'est là. Saigner, l'huile. Saigner, c'est absorbe les PV d'un ennemi. Et l'huile, c'est vulnérable au feu. Par contre, faut qu'on aille augmenter notre rang. C'est où pour augmenter notre rang? C'est là-haut. Là, il faut d'abord augmenter notre rang de... de chasseur de prime. Alors, on a tué quelques boss, normalement ça va nous monter les rangs, je crois. Là, il faut faire des chasses en fait. Là, on en a pas fait depuis longtemps en fait. Du coup, je sais pas. On va voir. Tu es déjà écuyé. Ah si. C'est bien. 2 éclats de portail et téléportation. Arrière-garde. Très bien. Avant-garde. Super potion pierre. Vaincu le dragon ancestral. Tiamat. Vinuscar. Maillet Ahriman. Le gang des légumes. Rafflesia. Défunt frère. Est-il nouveau contrat? Très bien. Prends. Encore le problème à chaque fois des contrats, c'est toujours la même chose, c'est de... d'aller voir les clients en fait. Honnêtement, c'est vraiment la partie super relou en fait des contrats. Et que j'aime pas du tout. Que j'aimerais bien que ça soit complètement enlevé en fait. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Ah oui, il y a la chasse aussi de ça. Ouais, non, mais il y a des trucs en fait qui vont nous prendre beaucoup de temps. On va changer de grille de permis.
Ouais, il y a des chasses qui vont nous demander en fait de faire du secondaire. C'est pour ça que j'ai passé sûrement 20 heures à faire ça en fait. Ou 30 heures peut-être. Alors on va voir si ça nous a permis de monter de rang et de débloquer vitalité. Après c'est peut-être... Enfin, peut-être que vitalité on le récupère par là. On le récupère pas là, hein, mais je suis pas sûr. Je pense que si. Pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'on a à vendre? On va vendre quelques trucs. Je regarderai au cas où. Pour être sûr, pour vitalité. Et c'est un peu le truc qu'on va... qui est vraiment utile. Ok, le draken. On va le garder. Plume tranchante. Fourrure supérieure. Corset d'insectes. Cuir tanné supérieur. Cristal de glace. Pas mal. Maillet. Ce genre de maillet était autrefois employé dans les listes. Dans les tribunaux pour établir l'ordre. Ouais. Alors, ensemble de djinns. Ça, c'est ouais, un équipement, mais on l'a. Waouh, 50 queues de phénix. Oh putain. C'est con, hein, parce que je pense pas qu'il nous en manquait 50. Mais bon, c'est pas grave. Ah, si, le djinn, c'est haut niveau. Je pensais que c'était un peu moins. On va voir si on peut pas le mettre à Fran. Je pensais que c'était moins haut niveau, le djinn. C'est où, djinn? J'aurais dû lire, c'est là. Ouais, c'est pas mal. Et toi Kylonien. Très bien. Ok, parfait. Ok, donc on a pris... Merde, ça. On a pris donc... les chasses de lui, de Mont Blanc, là. Maintenant, il y a les chasses ici. Mais je pense que les chasses ici, c'est... On les a déjà pris à un autre bar la dernière fois, dans une autre ville. Je pense que c'est les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes. Ok. Donc on va commencer les chasses. Alors, dossier du clan. Ce contrat. Alors... Donc nous, on est à Rabanastre. Ah merde, putain, je regardais au mauvais endroit. Rabanastre. Alors, annonce. Voir le client, il est où? Il est à la taverne. C'est qui? C'est le tavernier. J'aurais dû peut-être lire ce qu'il me disait. Peut-être. Grotte de Zerita par le désert ouest pour dénicher Marilith. Sois patient, fouille minutieusement, c'est important. Dans la grotte de Zerita. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a un autre à Rabana? Ça c'est fait. Rabana Sorbet. À la porte ouest Sorbet. Ok, ça marche. Pas sortir du menu directement. Ah, ça fait plaisir de pas être fou. Content. Très content de pas être cinglé. Je pensais vraiment que j'étais cinglé pendant un moment.
Donc on va faire quelques contrats. Et après, il va avoir celui de Gilgamesh qui va sortir. Gilgamesh, on va le combattre plusieurs fois. Et à chaque fois, il faut le voler. Parce qu'il va nous donner un exemplaire de chaque armure Genji. Là. C'est du bon équipement. Il y a surtout les gantelets en fait qui sont vachement bien. C'est pas toi ? Sorbet, le mec. Tu veux bien m'aider ? Oui. Propre enquête m'aurait donné. J'ai répété un homme qui sait plus ce qu'il veut de l'admettre. Il est assis à la fontaine de la grande place. Il porte l'Empire dans son cœur, donc il ne dira rien. Mais peut-être qu'il accepterait de parler à toi. Vas-y, je t'attends ici. Ok. On a une autre... On a une autre quête, apparemment. Ouais, monstre blanc, machin, ça va. Ça marche. Boing. Alors, mec à la fontaine, c'est toi? Tu n'as parlé à chercher avec un asthme. Petit templet grandissait sans cesse. Nous avions trouvé un moyen d'entrer dedans, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Tu devrais aller parler à mon ami Norton, près du hangar numéro 5 de la basse ville. Je jouais souvent avec lui dans la tempête à l'époque. Hangar numéro 5 de la basse ville. Ah, je crois m'en souvenir de cette quête. Je l'ai faite aussi. Je crois que j'ai parlé au mec exactement de la même façon, en fait. C'est en voulant prendre... En voulant prendre parler au mec du... Merde, putain. De la chasse, j'ai parlé à lui et il m'a envoyé pour une autre quête. Alors... Attends, les marchandises de caravane arrivaient un peu, donc ils avaient porte suite. Il fallait sûrement des portes de cette largeur. Quel dommage que celle-ci soit la seule encore en état de marche. Ok, cool. Secteur numéro 5... Je suis jamais allé là. Aussi. Fais voir, secteur numéro 5. Enfin, ça m'aide pas vraiment parce que. Aïe. Je sais pas à qui il faut parler en fait. Trop de gens. Je sais pas à qui il faut parler. Antidote. Peut-être les égouts, c'est près du secteur 5. Ah, il y a Kite ici. Qu'est-ce qu'il a à vendre, lui? Collier, ok. Bon. Tout ça pour... hein. Vas-y, je t'écoute. Ils m'ont dit qu'avant, tout le monde vivait sa surface. Ma maison était là-haut, elle aussi. Même si je m'en souviens plus. Et puis, il y a 2 ans, nous avons perdu la guerre contre l'Empire du coup d'Almasca et passé sous le contrôle d'Arcadia. Quand les Impériaux sont venus à Rabana, ils ont ordonné plein de gens de déménager ici, dans la basse ville. Les Impériaux nous laissent faire ce qu'on veut, mais pas vivre où on veut. C'est une histoire de domination qui nous impose, apparemment. Tu veux que je te raconte la suite? Ouais.
La vie dans la base vie est insupportable, au moins il n'y a pas d'Imperio. Peut-être que. Je regarde vite fait hein, la conversation. Tu sais qu'il a fallu que je m'interroge tout le long grand pour obtenir autant d'informations. Ok, cool. Exercice militaire dans le désert. Ah oui, c'est lui. Exercice militaire dans le désert ouest pour toute éventualité, si tu vois ce que je veux dire. Seulement, nous avons un petit problème. Je dois rester discret sur tout ça, donc je ne t'en dirai davantage que si tu acceptes le contrat. D'accord, oui. Ok, donc ça, c'est un contrat en fait. Avec une telle monstruosité à proximité, nous avons préféré nous replier, mais nous n'allons quand même pas nous cacher éternellement. C'est pour ça que je veux que tu élimines ce dragon jugulé. Tu le trouveras dans la partie centrale du sable ondoyant, plutôt au sud. Toutefois, il n'y est pas en permanent. Je ne suis sûr de rien, mais je crois qu'il ne se montre que quand les éléments se déchaînent. Bonne chance. Ok. Ah là là, parler aux gens, catastrophique. C'est mon némésis de parler aux gens. C'est mon némésis. Qu'il a nous à dire à Dig. Le dernier locataire a laissé une lettre sur la table. La lettre repose sur la table, voici ce qui est écrit dessus. Je sais que mes jours sont comptés, je regrette juste de ne pas pouvoir rendre l'objet qui m'a été confié, que j'ai gardé toutes ces années. Je l'ai scindé en 4 fragments afin qu'il ne tombe pas entre les mains du premier venu. Je vais néanmoins révéler l'emplacement de l'un de ces 4 fragments au cas où son propriétaire légitime voudrait le récupérer. Endiguez l'eau, puis libérez-la à nouveau au sud-est. Au nouveau. Est, sud-est, est, sud-ouest, sud-est. Je prie pour qu'il repose en paix. Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain? Il y a de poussière aussi. Oh là là! Ça, c'est dans les égouts. Il va falloir faire mumuse avec. Avec l'eau, oh là là, c'est une catastrophe ça. Par contre, ça, je me rappelle, c'était chiant. Il faut tester en fait plein de trucs, plein de combinaisons. Ça, c'est un peu relou. Bon, on va pouvoir enchaîner sur les. Je crois sur les contrats. Je vais se reparler à quelques personnes vite fait qui sont sur le chemin. Vous avez qu'à apprécier la musique. Elle est cool. La musique ici est sympa. Dalan. À chaque fois que je pense que c'est de l'autre côté chez Dalan, en fait non. Ce Dalan, il est toujours là. Puis le vegan, tu dis, malheureusement, même moi j'ignore presque tout de ce lieu, je sais simplement qu'il repose au fond d'un bois. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je crois que lui, Dalan, il peut nous aider, je crois, que si on est perdu. Si on vient lui parler à chaque fois, il va tout le temps pouvoir nous aider. Enfin, sauf quand il dit que là il en sait pas plus, mais ce que je veux dire c'est qu'il est toujours en phase en fait avec au moment où on est par rapport à l'histoire. Donc il va toujours avoir quelque chose à dire par rapport à l'histoire, je crois bien.
pam, pam. Ah. Lift up Arcanon Zero. Bon, on a tout fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes à Rabanast? Forbé, on l'a fait. Rabanast, Balzac. Contrat accepté. Rabanast, contrat accepté. Nalbina, ok. Ça marche. Bon, on a accepté les contrats de Rabanast. Alors, maintenant, il faut aller où? Ah bah du coup ça c'est les égouts. Ok, alors. Par là-bas. Bah du coup on va peut-être pouvoir s'arrêter là je crois. Enfin ça on n'est pas venu pour rien, on a accepté plusieurs contrats et tout ça et de toute façon on devait venir. Donc c'est pas... Égout. Je crois que c'est par là. J'aime bien comment on fait pas de bruit quand on marche, quand on est en lévitation, c'est cool. C'est logique, hein, mais c'est sympa. Ok, je crois que c'est ça. Mais il nous faut la clé des écluves. Je sais pas, c'est peut-être pas maintenant. Je crois qu'on la récupère plus tard, la clé. À moins que je puisse passer. C'est tout en bas... Tout en bas normalement, mais ça m'étonnerait que je puisse passer en fait. Ah non, les trucs sont au niveau. Hein. Hier. Ça, je crois que c'est un lance-bombe ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Angle d'or. Ah ouais, non, tout ce qui est ici est maintenant au niveau. Mais je sais pas si je vais pouvoir descendre. Et je crois qu'il faut baisser l'eau ici, là. Ouais, c'est des bons niveaux. Ah, peut-être qu'on va y arriver. Au boss. Pas au boss, au contrat exactement. Comme ça, on fait un contrat. Ouais. Ok, le frein elle a déjà volé, ça marche. On va refaire juste au cas où. Ça marche. Trois. 7700 et 24 pp, une clé cassée. Ben voilà. Ben c'est peut-être là qu'il va nous donner la deuxième clé des écluves, parce que je sais qu'il y a, on a deux, on va avoir deux clés, on va devoir jouer avec ça en fait. Il y a plein de petits secrets, de choses à se rappeler.
Genre comme le mec... non, comme la lettre, là. Elle nous a dit, genre, faire S-Sud-Ouest, S-Sud-Ouest, machin, truc. Je crois que je suis pas allé au bon endroit. Non, ça, c'est le début du jeu. C'est un peu la merde, quand même. Et je crois bien qu'il y a des choses uniques dans les coffres ici. Déjà, genre, on a une épingle d'or. Mais je crois qu'il y a des armes uniques. Attends, on passe. Ah là là là. Très bien. Bon, la clé cassée, c'est pas ça. Hein. Ah non, clé des exclusives. Ok, on va rendre la... On va simplement rendre la chasse. Vu qu'on l'a fini. Et ça sera la fin pour cet épisode. Après, il y a des chasses, en fait, qui vont nous donner des clés de d'autres endroits et tout. C'est la merde. Enfin, c'est pas la merde, c'est juste que... Faut faire des chasses pour pouvoir accéder... Quartier résidentiel. Oui. Pour pouvoir accéder à certains endroits qui va nous permettre de faire d'autres chasses. Etc, etc. Du coup, le mec qui nous a demandé... C'était le petit Moogle, ça, je crois. Hein. Je vais voir. Sorbet. Ouais. West. Que j'ai passé un téléporteur, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, les Moogles qui nous téléportent. On va voir si l'autre mec dit pas autre chose. Celui-là, là, qui est en face. Oui. Alors, il a parlé, je vois, bon, je perds mon temps avec moi, alors l'essentiel, c'est que tu recherches un instant. Oui, vous avez sauvé mon honneur de Mog. Maintenant, il faut que je demande à mon frère de la réparer. Je viens tout de suite. Ah, bah c'est lui qui va nous donner la clé, peut-être, je crois. Flamboyant. Ah, il y a plein de petites quêtes comme ça. Réparer la clé, mais entre-temps, j'ai reçu un message de Dallan. Il a trouvé une autre clé qui fonctionnait. Alors, il n'a plus besoin de celle-ci. Je suis vraiment confus de vous avoir fait perdre tout ce temps. Du coup, j'aimerais vous la donner. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier après tout. Marche. Clé des écluves. Voilà, ça y est. C'est nickel. Je sais pas si de l'arc flamboyant est bien. Ah, pas mal. Permis 5. Ouais, ça va. Bon, ben voilà. Nous voilà sur... sur le chemin des... Des chasses à la chaîne, on va faire ça. Donc ouais, c'est cool. C'est cool, on continuera la prochaine fois. Et je suis pas fou. Yay. À la prochaine, ciao.